Salut à tous, ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour un nouveau numéro de l'émission Jardin Public. Jardin Public, c'est tous les lundis entre 18 et 19h. Alors aujourd'hui, je reçois Marilyn Bras qui nous parlera de son dernier album Feu Fatal. Mais en attendant, on s'écoute une nouveauté, c'est la nouveauté 2021. Carimouche, tiré de l'album Folie Berbère, c'est Princesse. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. J'suis pas ta beurre, ta chicha, ta biquette, shawarma, ta barrette de zeppelin, ta charrette, ta charia. J'suis pas ta beurre, ta quota, la cause des attentats, ta conchita, ta kaira, ta bobo, quinoa. J'suis pas ta bébé, ta archiblonde, ta bobonne qui fait de l'ombre, ta bourgeoise du grand monde, ta batouman qui va pondre. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. J'suis pas ta baisse, béga chouchou, ta cagole à chichi, ta canette de coca, ta causette, ta cocarde, non. J'suis pas ton chien, chou à saucisse, ta raton 06, ta tirette de Tinder, ton plan cul, ton 4 heures. J'suis pas ta gazelle à chasser, ta donzelle à dompter, ta demoiselle à siffler, ton demoiselle à boucler. Non, j'suis pas ta bière à mettre au frais, ta bannière à trophée, ta frontière à tracer, ta rombière à trousser. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. Eu sou a filha da rainha, me chamou princesa. Isso é herança de família, eu sou sexo. Faço, desfaço, decido, refaço, refaço de novo e sempre sem, sem levando, sem estresse. Você é filha da rainha, também é princesa. Sua herança de família, também é sexo. Faça, refaça, desfaça de novo e sem, 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 leve a vida sem estresse. Quero ver, quero ver, quero ver. Onde de bombas. Chega aí, conta aí, conta aí, conta aí, quero ver. Onde de bombas. Vem me conta, malandro, quero ver, quero ver, quero ver. Onde de bombas. Chega aí, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Onde de bombas. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. Évitons les affronts et tout bas du front, du plafond.
peu d'éclaircie. Trop de facéties au final animal. Le tempo déchirant. Du temps sourd à tant de temps. De disparition, de disparition. Au final animal ton baiser d'amour. Rouge sang sur mon front. Sur mon front. Des nouvelles du fond. Évitons les affronts et ton bas du front. Du plafond. Tomber au fond. Des nouvelles du fond. Évitons les affronts et ton bas du front. C'était nos invités la semaine passée, c'était des premiers artistes à ouvrir l'année 2021. C'est Berthier, extrait de l'album Feu, le titre Les Nouvelles du Front. Et nous voici maintenant en compagnie de Marilyn Bras. Alors Marilyn, sois la bienvenue et meilleurs vœux pour l'année 2021. Merci beaucoup de m'accueillir et meilleurs vœux pareillement. Alors, si je t'ai accueilli, c'est parce que tu as sorti un album qui est vraiment intéressant, c'est l'album Feu Fatal. Alors, Feu Fatal, c'est un album, est-ce qu'il a été conçu au moment du confinement, du premier confinement ou avant, ou parce que c'est vrai que virus, ben c'est, ça parle déjà du Covid. Oui, il a été conçu au début du premier confinement. J'ai commencé par correspondance avec mes collaborateurs, donc Cécilia Calissa, qui envoyait ses waves de chants par Internet. Donc je lui envoyais ce que j'avais fait et puis elle me renvoyait ses parties de chants. Et comme ça, on ne s'est pas vu pendant tout le premier confinement et on ne s'est communiqué que par mail ou WeTransfer. Alors c'est une drôle de façon de travailler. C'était la première fois que tu faisais ce genre d'expérience par échange virtuel, on va dire. Comme ça, oui. Pour faire vraiment tout un album, oui, j'avais déjà eu des contacts comme ça, que j'avais rencontré par Internet, où on se partageait des musiques. Mais là, c'est vraiment une très, très nouvelle expérience qui est enrichissante aussi, bien sûr. Alors, c'est toi qui compose, on va dire, tous les textes. C'est toi aussi qui crée la musique, ou bien c'est, je dis, la signature, c'est un peu une collaboration, soit en binôme, soit... plutôt plus collective, qu'on va dire. Donc, moi, je crée la base, le texte, etc. Et puis après, les musiciens qui participent apportent ce qu'ils veulent. Après, je dis plus ou moins mon orientation de ce que je veux. Je recadre un peu ce qu'ils apportent. Je recoupe, je déplace, j'arrange un peu. Mais je veux que les personnes qui travaillent avec moi apportent leur personnalité, leur création, leur identité. Donc chacun doit s'impliquer au travers de ton projet. Voilà, donc chacun apporte sa touche. Ce qui est déjà enrichissant en soi. Une fois que tout est composé, on va dire, est-ce qu'il y a eu
des moments de répétition ou bien ça c'est, je veux dire que donc tu as donné carte blanche ou tu avais déjà donné les sons et puis chacun brode autour ou bien... Oui, donc j'envoie ce que j'ai fait et puis ils s'adaptent en fonction de ce que je leur propose. Puis ils m'envoient ce qu'ils veulent. Et puis je réadapte, et puis réenvoie, et puis ça améliore, et on s'entraîne comme ça. Alors, Feu Fatal, c'est ton dernier album. Oui. Mais dans l'ordre discographique, tu as déjà eu d'autres, des albums qui étaient signés Marilyn Brat. Oui, donc en fait, j'ai commencé la scène en 2002, et j'ai commencé déjà à faire des petits CD. Comme ça, je ne sais plus les titres que je vendais sur mes concerts. Et le premier qui était un peu important s'appelait Aujourd'hui. Puis après, j'ai fait Happy. Et ces deux albums-là, ils ont été masterisés par Phil Delir. Donc c'est un ingénieur du son professionnel très chouette. Et donc, ça m'a encouragée. Et puis, j'ai fait maintenant Feu Fatal. Alors, on peut dire que le confinement t'a permis d'être plus actif, plus productive, puisque c'est vrai que c'est toi qui fais un peu tout. C'est toi qui produis l'album, l'autoproduit aussi. Oui, est-ce que ça veut dire que tu l'as fait chez toi aussi puisque... Chez moi, oui. Je veux dire que louer un studio, c'est devenu plus onéreux. Donc maintenant, je veux dire, quelqu'un qui a son propre studio, je veux dire, il n'est pas soumis à un stress permanent. Oui, voilà. Donc chez moi, tous les jours, je fais quelque chose avec mon ordinateur, ma carte son, mon micro. Et c'est parti, mes synthés, ma basse. Hop. Et est-ce que dans le temps, on va dire, dans l'espace-temps, on va dire, est-ce que ça a été une période courte, bien condensée, ou bien tu as mis la pression aux personnes qui devaient participer à l'enregistrement ? Ben, je mets jamais de pression, les personnes, elles font, et puis voilà, si elles font pas, ben, je prends d'autres. Oui, c'est une solution. Mais en tout cas, Cécilia Calissa, elle était très motivée et très, très heureuse de participer à ce CD. Et voilà, donc Johan Leclerc avec son DJ Ridou aussi. Pascal Michaud pour l'instrumentalisation d'un des titres qui s'appelle Toi était très heureux aussi. Donc, il a fait ça en très très vite d'ailleurs. C'est un professionnel. Il a fait ça en une heure, c'était fait. Alors. On va dire qu'une fois que tout est enregistré, bon ben ça, il faut passer aux phases suivantes, le mix. Est-ce que ça prend plus de temps ? Parce que c'est vrai qu'on doit laisser un peu reposer les oreilles, parce qu'on a déjà tellement entendu. Il faut peut-être rééquilibrer certains sons, la voix, les instruments, évidemment. Oui, j'ai envoyé plusieurs versions aux personnes parce que chaque fois je change. C'est toi qui mixe ou bien c'est quelqu'un d'autre ? Oui, c'est moi. Je mixe comme je peux, je suis pas ingénieur du son, je fais comme je peux au mieux possible et j'écoute et puis après une fois je trouve que c'est satisfaisant, alors c'est bon. Alors après l'étape suivante c'est le mastering et là est-ce que tu maîtrises ce... Non, je demande à un ingénieur du son, comme j'avais dit pour les deux premiers albums, Phil Delir. Mais là, le dernier Feu Fatal, j'ai pas pu parce que comme on est au chômage technique, donc moins de sous, donc pas possible. Ce sera pour plus tard. Oui. Alors, l'album Feu Fatal est sorti, on va dire, pratiquement à la fin de l'année. Octobre-novembre, c'était... Oui, plus ou moins, oui, c'est ça. Alors, j'imagine qu'il sort sous différents formats. Enfin, le format le plus actuel, c'est le plus prisé, c'est le digital. Oui. J'imagine qu'il sortira en CD. Il est en CD. Oui. Il a une pochette en noir et blanc. La photo, on l'a faite quand on a été à Liège. On est revenu de Liège avec Cécilia. Après le confinement, on a fait une interview, notre première interview à Radio Prima. Et on a fait notre photo là, et c'est donc pour inaugurer
l'album, on a fait à la gare de Luxembourg, où il y a les symboles de Belgique. Alors, le sera-t-il en vinyle ou bien c'est quelque chose qu'on se dit peut-être un jour, je dis jamais, ça dépend les finances, quoi. Parce qu'en fait, finalement, un regain, un retour de ce support qui existait déjà depuis très longtemps. Oui, j'aimerais bien. C'est quelque chose que tu dis pas non et que peut-être tu verras en fonction de la demande ou... Oui, voilà. On verra comment ça se passe. Ce serait bien, j'aimerais bien. Beau vinyle, tout noir, tout brillant. On peut mettre des couleurs dessus. Ah, on peut le colorier, on peut faire un cahier pour colorier comme on donnait aux jeunes enfants. Oui, voilà. On donnait une boîte à crayons. Il y a une des chansons du CD qui s'appelle Virus, oui, qui a été reprise par une personne de la Croix-Rouge pour éduquer les enfants pour la prévention du virus. Donc c'est pour les enfants aussi, le CD. Eh bien voilà, puisque tu parlais de virus, eh bien donc on va dire par la pensée, eh bien on s'écoute le titre. Je suis chez moi, mes chats sont là et j'ai acheté un arbre à chat. Je me détends sur mon divan et je regarde un peu tous les postes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Corona, Corona, c'est ça qui se passe à la télé, dans la rue, j'aperçois quelques passants bien prudents. Corona, Corona, qu'est-ce que tu fais à ces innocents? Corona, Corona, bouge de là, je suis chez. Corona, Corona, tu ne mourras pas, je suis chez moi. Je mange des vitamines et j'ai bonne mine. Je prends des bains et du gingembre. Tout est propre. J'avale des infections. Tu es mort chez moi, dead. Nettoyé, pas de pitié. Corona, Corona, stop, va par là. Tu passeras pas. Médecin, infirmier, docteurs vont te niquer, balayer, pulvériser. Tu ferais bien de déguerpir pour ne pas souffrir. Corona, Corona, dépêche-toi, ne traîne pas là. Corona, Corona, c'est bien pour toi. Casse-toi de là. Corona, Corona, dépêche-toi. J'en peux plus là. Corona, Corona, enfuis-toi. Tu vas souffrir. Vaut mieux fuir. Le ciel est bleu, mes chats sont heureux, admirant. Coco, Coco, Corona.
bon vent. Virus, un titre bien d'actualité. Alors, c'est vrai que ce titre a fait l'objet déjà d'un vidéoclip qu'on peut retrouver sur YouTube. Oui, voilà, donc vous pouvez regarder. Je suis dans mon appartement où je venais d'emménager juste avant le confinement en express. Et voilà, c'est un peu foufou. Alors, des clips, on a fait pour. Pas mal, enfin, on a fait pas mal de clips tirés de cet album finalement. Oui, il y a plusieurs clips sur YouTube. Donc, s'il n'y a pas le clip, il y a une photo. C'est une de mes créations photographiques. Voilà, il faut aller voir. Est-ce qu'on peut dire que tu es une femme orchestre? C'est toi qui fais tout, qui dirige tout. C'est vrai que comme on voit l'album, les clips. Je suppose que le merchandising, ça va suivre aussi. Oui, je fais j'enregistre, je fais la base du morceau. Après, j'ai toujours des collaborateurs qui m'aident. C'est pas tout faire non plus. Donc, Johan Leclerc qui fait le DJ Ridou, Cécilia Calissa les chœurs, Pascal Michaud qui a fait une instrumentalisation. Après, pour le prochain CD qui est en cours. Maintenant, il y a Matine, le guitariste acoustique turc, qui participe aussi. Donc, je ne suis pas toute seule quand même. Alors, cet album, tu l'avais, donc il y a 10 titres qui constituent l'album pour parlons de Feu Fatal. Est-ce qu'il y avait-il plus de titres à l'origine et puis que tu as dû sélectionner Non. Tu as calculé vraiment pour qu'il y ait 10 titres sur cet album. Et j'ai choisi les sujets, donc le premier titre qu'on vient d'écouter, Virus, qui parle vraiment du virus. Puis tu as le peintre qui parle de l'artiste qui est chez lui et qui est confiné. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il peint et il apporte, grâce aux réseaux sociaux, à tout le monde, leur couleur, leur imagination, leur rêverie. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil aux artistes. Puis après, le whisky bar. Donc comme tous les bars sont fermés, j'ai fait un petit clin d'œil à ça. Chaque titre a sa place dans le confinement et la situation actuelle. Alors, le Covid est apparu à la mi-mars. Est-ce que tu t'es tu étais, j'imagine, en cours de préparation d'album, mais une fois que l'album était enregistré, mixé, masterisé, tu t'es dit, il n'y a pas de concert. Est-ce que ça provoque en toi une sorte de frustration parce que c'est un album que tu aimerais bien le défendre? Oui, je suis patiente. Je garde espoir pour avoir bientôt nos concerts, oui. C'est vrai que c'est un peu décevant de ne pas pouvoir se produire. Mais ça va venir, hein. On ne va pas rester enfermé. Et en attendant, on crée. Donc on sera encore meilleur. Donc tu auras peut-être 2 albums à défendre une fois que va revenir dans l'ordre. Voilà, 2 CD. Alors on parlera ça tout à l'heure, à la fin de l'émission. Donc on revient toujours avec Feu Fatal. Donc pas de concert. Est-ce que tu as déjà imaginé de faire quand même, comme on fait certains artistes? Bon, on va dire des artistes qui ont fait preuve d'imagination, qu'on appelait les lockdown sessions, donc faire des sessions live, mais en version lockdown, chacun de son côté, avec des caméras. Oui, on a fait des concerts par Internet, mais avec Cécilia Kélissa, on pouvait être à 2. Donc on a fait un festival par Internet qui s'appelle Festival Inédit, qui normalement se produit tous les ans à l'ULB, à la salle d'Elvaux. Et cette année, ça a été fait par Internet et avec un système, là, on se filmait chez soi. Tu étais content de ce genre d'expérience, on va dire? Oh oui, c'était enrichissant, c'est une fois autre chose. Après, on n'a pas la chaleur du public et c'est un peu plus froid. Mais on l'a fait dans l'énergie, on était à fond, c'est costumé. Donc c'était sympa, je suis contente de l'avoir fait.
Alors, à quoi pourrait s'attendre le public qui veut te découvrir à quoi d'abord, évidemment, tout va dépendre de l'espace dans lequel tu serais. Soit c'est en club, soit c'est dans un théâtre, soit c'est dans un espace plus grand. Bon, ça comment peut-on c'est d'abord, tu me disais que hors antenne que vous allez être costumé. Oui, ça, voilà. C'est tout sera tout le temps comme ça ou bien On est toujours costumé. C'est une pièce de théâtre concert. C'est vraiment tout un spectacle, une histoire, un voyage à parcourir. Donc s'il y a des lumières, des lights, des stroboscopes, de la fumée, des danseurs même, pourquoi pas, ça j'ai déjà fait. J'ai déjà fait des concerts avec des défilés de mode, des danseurs, plein de petites surprises pendant le concert. En général, le public, enfin ceux qui ont eu l'occasion de te voir, sont sortis avec le sourire satisfait. Oui. Tout le monde est content, ils sont sur une autre planète. Oui. Ça les fait, ça les change. Alors c'est vrai que pour le moment, bon, je veux dire, ton album est sorti en autoproduction. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de réelle distribution. Que finalement, comment les gens peuvent se procurer ton album? Parce que c'est vrai qu'on pourrait le mettre en dépôt chez certains disquaires et les gens peuvent l'acheter là-bas. Ou alors. Est-ce qu'il faut aller sur ton site et... Oui, vous pouvez me contacter via Facebook, Marilyn Bras, ou par mon mail, marilynbras@gmail.com. Et voilà, on fait comme ça, et après on les vendra par concert. Et s'il y a d'autres endroits qui sont intéressés pour vendre notre CD, on est preneurs. Est-ce que, je veux dire, ton catalogue, c'est une façon de dire ton catalogue, tes albums précédents, tes deux premiers, est-ce qu'ils sont encore disponibles ou bien tu les réédites ou bien tu les... Oui, ils sont toujours là. Si les gens sont intéressés, ils peuvent demander. On peut vendre tous les CD d'un coup, si quelqu'un veut le tout. C'est sympa. La collection, voilà, le coffret. Le coffret, ben oui, c'est on va en attendant peut-être le quatrième album, puisque ça devrait se faire. Bon, donc on en parlera ça tout à l'heure. On va écouter encore un titre, c'est le morceau « Toi ». Viens m'enchanter de ta présence, de ton doux charme, ton élégance. Jette ta peine dans ce temps de rire. Libère ta joie. Viens m'enchanter de ta présence, de ton doux charme, ton élégance. Souffle ta peine pour ne penser qu'à vivre. Libère ta joie, qu'on s'en va. La 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 la. Jette ta peine dans ce temps de rire. Libère ta joie. Viens m'enchanter de ta présence, de ton
doux charme, ton élégance. Et garde ta peine, il faut bien l'abolir. Libère ta joie. Viens m'enchanter de ta présence, de ton doux charme, ton élégance. Laisse ta peine en te tordant de rire. Libère ta joie. Alors Marilyn, tu es aussi présente sur tous les fronts internet. J'imagine que tu as ta page Facebook, tu as ton site, est-ce que tu as un propre site ou bien non, un compte pas Twitter de site, j'ai sur Facebook. Instagram Instagram j'ai, mais je ne regarde pas trop pour l'instant parce que mon téléphone est un peu naze. Mais oui, j'ai Instagram, j'ai Facebook, voilà. Donc est-ce qu'on peut dire que tu t'auto-manages, on va dire, oui, c'est une façon de... Tu fais de l'autogestion, on va dire. Voilà. On se débrouille comme on peut. Et tu parviens à avoir le temps suffisant pour presque tout faire ? Bah oui, hein, je fais. Hein. Je suis à la maison, je confine, je fais. Peut-on dire que tu es aussi une perfectionniste ? Bah, je fais au mieux que je peux. Après, si je n'ai pas un studio à 10 000 euros... Enfin, je ne sais pas combien coûte un studio, mais j'ai vraiment... C'est un truc de base, suivant mes possibilités. Et j'essaie de faire au mieux possible, comme je peux. Bon, j'imagine que les avis extérieurs... est-ce que tu as eu des critiques positives, déjà, pour Feu Fatal ? Est-ce que... Oui, les gens, j'ai eu pas mal de critiques sympas. Ça se passe bien ? Oui, ça va. Alors, tu as déjà des idées pour ce que serait ton prochain concert je veux dire, dès que les restrictions seront levées. Ah bah dès que c'est levé, oui, j'ai des idées. Donc spectacle, paillettes, couleurs, et c'est parti avec Cécilia, Johan Leclerc et Matine, le guitariste, et le batteur. J'ai trouvé un nouveau batteur, on répète déjà depuis un mois. Donc lui, il est à fond aussi, voilà. Quel est le critère du bon batteur ? Parce que ça, c'est vrai qu'on dit souvent un batteur, c'est une denrée rare d'abord. Et puis. Bah, il tient bien le rythme. C'est le rythme, est-ce que ouais. C'est aussi la technique, la puissance ? Ou bien. Parce que j'imagine qu'un concert, ça ne doit pas être exactement comme tu fais sur le CD. Ah non, c'est pas du tout. Donc le CD, c'est le CD. Le concert, c'est plein de surprises. D'ailleurs, il n'y a pas de batteur sur le CD. Donc c'est vraiment. Toute une réorchestration différente. Cécilia fait d'autres trucs. C'est ça le spectacle, quoi. Et toi, en tant que tel, tu es multi-instrumentiste ou bien tu te joues peut-être guitare, piano, synthé ou bien... Donc moi, je fais du synthé et de la basse. Ouais. Donc sur scène, je prends ma basse et j'ai le sampler où je mets les électros et des loops de synthé, ça dépend les morceaux. Est-ce qu'il arrivera-t-il un jour que tu puisses réadapter tes titres en version acoustique ? Ça peut être violon, guitare sèche. Bah, avec mon guitariste Matine, oui. Il a des morceaux, il sait les jouer à la guitare. Et oui. Juste guitare, ça marche. Et ça s'est déjà produit, déjà dans le passé, ou bien ça va, ce sont des différentes possibilités selon les, comme on dit toujours, l'espace. Oui, ça dépend les endroits. Si on peut être à deux ou un ou trois, ça dépend les budgets aussi des organisateurs. S'ils veulent deux, trois, quatre, cinq, on s'adapte. Et chaque fois, on propose un concert unique. Si un organisateur qui nous écoute en ce moment, il peut te contacter via la page Facebook. Oui, voilà. Et moyennant négociation, cachet, offre, voilà. Tu acceptes. Voilà. Ou tu refuses. Bon, ça dépend
les conditions aussi. Il est sympa ou pas. Il faut, oui, si, il faut quand même respecter le catering. Oui, voilà. Faut pas non plus que tu arrives puis que tu n'aies rien à manger ni à boire. Oui, voilà, il faut un peu de sympathie. Y a-t-il déjà des pays où tu avais déjà commencé à que tu as déjà contacté ou que tu vas contacter bon, la Belgique, c'est un tout petit pays. Est-ce que tu comptes t'élargir à travers la francophonie, la France, la oui. Suisse, le Québec, parce que c'est vrai que c'est quand même... Ah, j'aimerais bien, le Québec, c'est cool. J'aime bien voyager. D'ailleurs, dans mon travail pictural, photographique ou peinture, je voyage pas mal et j'offre des images de voyage. Et j'aime bien, j'adore. Aimerais-tu faire un jour un album où tu pourrais faire un carnet de voyage, par exemple, où tu voyages à travers les pays, où tu as plusieurs pays. Et... Mais j'ai fait ça pour, avant le confinement, je travaillais toutes les semaines dans un centre pour personnes âgées. Et j'étais animatrice, chanteuse. Et toutes les semaines, je leur proposais un pays. Et on voyageait via ce pays. Je mettais des sons d'avion, et puis on arrivait dans le pays. Et donc, chaque fois, au fur et à mesure que je venais, ils faisaient le tour du monde. Ouais, c'était bien sympa, j'adore. Ce serait sympa, un CD qui parle de tous les pays. Et qui pourrait être en même temps coloré. La musique prendrait, ou les sons prendraient une autre allure. Chaque pays a son folklore, sa musique. Et c'est toute une richesse, évidemment. Encore un titre à découvrir. Ce sera Whiskey Bear. There, I would lie in the street. Together, together, I would lie. Together, there, I would like. Je traverse tes yeux. Étoile, nouvelle sensibilité tremblante. Le grondement de la pièce résonne dans mes oreilles. Le réveil s'éclatant chez l'alternative. Alternative, 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 alternative.
Whiskey Bar. Alors, comme tu disais, c'est un titre qui a été fait pendant le confinement, puisque c'est vrai que pour le moment, le secteur horeca, le secteur culturel est en crise. Alors, y a-t-il des moyens pour aider finalement les artistes? Alors, le rôle, je suppose, que des radios, c'est de diffuser au maximum certains de tes titres, par exemple. Ah oui, s'ils diffusent, comme c'est à la SABAM, on touche. Donc alors, c'est cool. Je suppose aussi que le but, c'est aussi de vendre un maximum tes CD. Donc, oui. Alors, je suppose que tu fais un appel aux auditeurs pour qu'ils viennent sur ton site et puis dire voilà. Venez. Voilà. Et prenez le coffret, hein, c'est mieux. Tout à fait, il suffit que, je suppose qu'ils sont en vitrine, tu as ton petit webshop Oui, voilà. Et je fais aussi des t-shirts en sérigraphie. Ah, ben pour, voilà. Pour nos concerts, on vend aussi des t-shirts. Alors, quel type de t-shirt, on va dire, c'est un seul unique, unisexe, ou bien c'est pour tout Ben, on peut faire sur commande. Oui. Suivant les tailles ou les t-shirts choisis, même sur des pantalons, des chaussettes, j'ai déjà fait des culottes. Oui. Et donc, les premiers t-shirts que j'ai vendus s'appelaient Je Volupte. Oui. Donc, sympa. Et puis, sinon, t'as des dessins de paysages, d'oiseaux, nos têtes, avec Cécilia. Plein de choses. Alors, tu parles beaucoup de Cécilia, c'est vrai que c'est très récurrent. Est-ce qu'elle est, elle sera aussi sur le prochain album ou bien elle fait partie maintenant de l'entité Marilyn Brat? Ben, pour l'instant, j'ai tout enregistré toute seule les titres. Mais là, elle commence, elle a fait un morceau El Bossa Nova où j'ai écrit la musique, enfin ma partie dessus. Donc là, c'est l'inverse. Donc elle a fait un morceau qu'elle a instrumentalisé à sa manière et elle a posé une ligne de voix. Et moi, je me suis adaptée dessus. Donc je n'ai pas du tout instrumentalisé. Oui. Donc c'est dans l'autre sens. La pochette de l'album Feu Fatal, alors c'est toi et je pose Cécilia masquée. Oui, voilà. Donc on est, j'avais dit, à la gare de Luxembourg. Après notre première interview pour le CD. Et c'est toi qui dessines ou bien c'est... Donc la partie dessin avec nos personnages, c'est moi qui ai fait. Et la partie graphique où il y a les textes, c'est Cécilia qui a fait. Donc c'est une fabuleuse collaboration. Voilà. Est-ce que maintenant que la collaboration se fait, donc tu sens en elle qu'il y a une osmose quelque part, une alchimie? Ah oui, j'adore comment elle chante, elle a une belle voix et ça va bien. On est différents, mais ensemble, ça donne bien. C'est un univers spécial qui n'est pas commun. Donc, deux univers différents. Elle a sa culture russe et africaine mélangée, métissage intéressant. Donc. Oui. Et moi, belge, avec aussi une petite origine russe lointaine, de Mongolie. Et on se complète bien. Donc j'aime bien. Alors pour les musiciens qui gravitent autour de Marilyn Brat, ça change ou bien en fonction de l'évolution musicale ou bien on aimerait bien avoir une stabilité et une collaboration plus renforcée? Mais là, ça fait quelques années maintenant que je stagne avec Johan Leclerc et Cécilia, je la connais quand même depuis longtemps. Et là, depuis le confinement, elle est à fond, donc je garde. Et le guitariste aussi, ça fait aussi quelques années maintenant que je l'ai, Matine. Alors la plupart de tes titres ont une moyenne, on va dire, de 3-4 minutes, la moyenne. Mais alors, il y a certains titres qui sont beaucoup plus longs. Est-ce que c'est voulu ou bien on ne calcule pas, on va dire, par exemple, Être là, Naissance, qui sont quand même des titres de 7 minutes. Oui, Naissance, c'est un double morceau, parce qu'il y a une partie où c'est moi qui chante au départ. Et puis après, il y a Johan Leclerc qui vient, et c'est le seul morceau de l'album où il chante. Il fait son texte et sa voix, lui, dessus. Mais justement, c'est un titre qu'on va écouter. Oui. Dynamite. Explosif.
atypique. Je pense qu'il y a eu une petite erreur d'essence. On va tout de suite le passer. Alors voilà, c'est parti. Un cas par cas. Il n'y a jamais dans le village la même personne. Ni riche ni belle. Dans la quête du cycle de la vie. Laisse-toi glisser dans l'univers. Et n'oublie pas ton désir profond. Ensemble vers le plongeon du pire. Vers le meilleur qui te libère. Vers le meilleur qui te libère. Vers le meilleur que tu considères. C'est la prière de tous les rêves. 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 Et quand commence la jeunesse, tu peux te tenir droit dans le froid. Sur la corniche sans tache, tu peux te tenir droit dans le froid. Un cap de rivage. Viens, j'arrive pour des. Mais je crois que je suis dans l'eau. Prends ma main là. Tu ne te souviendras pas du grand bleu des astres. D'aucun désastre. Montagne frontalière sur la roue en route chicane loin. Peut-être de vin ou autre. Mais garde ton âme accrochée à ton arbre. Traverse la voie sans soif. Nietzsche, deviens l'homme que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Sois le maître, le sculpteur de toi-même. Ok, Jack. Existence. 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 Sens-toi l'intensité fluide. Tu sors dans tes doigts le désir. En courbe provocante, in utero, rempli de paillettes. Laisse-moi souffrir au bord du calice où je veux fuir. Je ralentis ma chute. Je ralentis ma chute. Tes yeux dans mes. Et
gravité m'attire. Ta gravité m'attire. Implacable délire. Implacable délire. Brille sur l'autel de ton sacrifice. La décompression bloquée. Ta gravité traduit l'amour en justice. Fébrile, fébrile d'avoir aimé, alangui là de mes réflexions. Fébrile d'avoir je aimé. Je reprends une gorgée. Lors de mes réflexions, je reprends une gorgée. Je reprends une gorgée. Et je sais que tu sens en toi cette intensité fluide. Tu le serres dans tes doigts, le désir. Nage en courbe provocante, in utero, empli de paillettes. Laisse-moi souffrir au bord du calice, où je vais frémir. Je ralentis ma chute, je ralentis ma chute. Tes yeux dans mes yeux, tu blesses mon orgueil sans fléchir. J'arrive aux portes de la vibration. Ta gravité m'attire, ta gravité m'attire. Implacable délire, brille sur l'autel de ton sacrifice. Décompression bloquée. Traduit l'amour en justice. Fébrile. Fébrile. Fébrile d'avoir aimé. Alangui. Je reprends une gorgée. Eh oui, donc c'était le titre Naissance. Alors on rappelle quand même que ben, il nous reste plus que 7 minutes. L'album donc Feu Fatal donc est disponible ben, via ton site Marilyn. Oui, Marilyn Bra Facebook. Et alors si on veut écrire ben, c'est marilynbra@gmail.com. Voilà. Alors prochain album, t'as déjà au moins l'équivalent d'un album ou ben, t'es au stade on va dire d'un EP ou de 3 titres? Là, j'ai déjà enregistré 8 titres pour le prochain. Oh, ça avance vite alors. Oui. C'est rare en général quand un artiste produit comme ça presque un album tous les ans, c'est presque une performance, alors que généralement la moyenne c'est un album tous les 2 ans, tous les 3 ans. Oui, après il peut toujours évoluer si j'ai d'autres personnes qui s'ajoutent ou si j'ai un producteur. Donc voilà quoi. Y a-t-il des producteurs avec qui tu aurais voulu travailler mais que bon, faute de budget peut-être, autant le faire soi-même finalement? Le producteur c'est lui qui paye hein, donc. Oui, il y a le producteur exécutif puis il y a le producteur artistique aussi, oui. Celui qui donne la couleur à l'album. Mais j'ai un morceau qui est sorti maintenant juste à l'instant sur Spotify et Deezer qui s'appelle Les Autres. Ça, c'est un producteur, Poussière Production, qui l'a réalisé. Moi, j'ai fait le texte, la voix, et lui, la musique électro-fusion derrière. Et je suis en train de faire le clip. Alors, on peut dire, si on veut tout connaître sur ton univers, je suppose que tu renvoies vers Facebook et on peut connaître la biographie et éventuellement les prochaines dates de tes événements qui... Enfin, en attendant que les restrictions soient levées. Oui, voilà. Donc, je mets toujours mon actualité sur Facebook. Donc, tu es souvent très active à ce niveau-là. Oui, dès que d'ailleurs, j'ai posté aujourd'hui que je passais aujourd'hui sur l'émission. Et les gens réagissent. J'ai un groupe aussi, un groupe événement Marilyn Bra. Les spectateurs peuvent s'inscrire. Et alors, on peut aussi aller sur YouTube, puisque là, je crois que là, on peut avoir quand même
On peut voir pas mal de clips. Oui, sur YouTube. De cet album, tu en as sorti combien de clips finalement on peut... Quasi 8, je crois. 8 sur 10, c'est déjà pas mal. Il y en a deux où c'est une photo. Naissance, c'est une photo. Une photo que j'ai faite en Islande. Un geyser. Oui. Et je crois. Être. C'était quoi le. Être ou ne pas être. Un de mes morceaux. Là, c'est une photo d'une cascade d'Islande aussi. Eh bien, merci en tout cas, Marilyn. En tout cas, ce fut un plaisir de t'avoir accueillie. On va se quitter avec le dernier titre, Le Peintre. Ah, yeah, les peintres, pour les artistes. Eh bien, voilà. En tout cas, un tout grand merci. Et alors, bien, en tout cas. Merci beaucoup. Et à bientôt, en tout cas, peut-être pour ton prochain album. Ah oui. Fais-moi signe. You. On devrait tous crier en haleine. L'air incrusté au fond de nos veines. Stop. Le long de l'Everest. Nos envies. De slow cherche d'avenir. Attends. Confinement. J'ai blanche la lumière. Arme-toi. De quoi? Parole artiste. En vous devant. Réinvente le sens. C'est une personne qui décide de peindre avec un précieux, un bel ingrédient. C'est de l'or et vraiment beaucoup d'argent. Ah, que c'est beau, que c'est brille sur ces murs blancs. Entre ses yeux, un verre de blanc. Santé. À la tienne. Je ne dormais plus la nuit. Tu m'as redonné envie. Riche d'une belle image, faites le tour. Magnifique. Riche de pinceaux, il survit. Survivor. Tourne, tourne. Sur la vague. Des sons cherchent d'admirer. Acroyartis. Oh mon héros. Comme tu es beau. Des géloches dans la lumière. Des vies des chats d'admirer. Acroyartis. Le plus grand des illusionnistes. Magique. Chouette. Féerique. Quel artiste. Ses mains sont remplies de rêves. Riche des mains, riche de rêves. Il est le plus grand des télescopes.